Bonjour. À quelques jours des élections européennes, je voudrais apporter ma petite contribution économique à des éléments au cœur du débat. La perte de crédibilité des politiques, le tous pourri selon certains, et le problème des étrangers qui pilleraient les richesses des pays européens. Commençons par le tous pourri. Il faut d'abord rappeler que les députés européens bénéficient de l'immunité parlementaire, ce qui pourrait bien pousser certains candidats à se présenter pour tout simplement échapper à des poursuites judiciaires. Dans mon enfance, en cours de récréation, quand on était accusé de quelque chose, on répondait « c'est celui qui dit qui est ». Eh bien, cette boutade irait très bien au Rassemblement national. Parce que c'est leur liste qui cumule le plus de candidats en délicatesse avec la justice. À commencer par la tête de liste. Il est bien jeune, la tête de liste Jordan Bardella. Mais il figure déjà sur une liste publiée par l'OLAF, le Bureau européen de lutte antifraude, un organisme de l'Union européenne. Il est cité pour un usage irrégulier des indemnités d'assistants parlementaires. Certes, il n'est pas poursuivi par la justice française, mais selon le magazine Challenge, je lis, il n'empêche, le Parlement européen l'a dans son radar. Son nom apparaît sur un listing daté du 25 avril 2017 que Challenge a pu consulter, où l'institution recense les assistants des eurodéputés Rassemblement national pour lesquels elle soupçonne un usage irrégulier de l'indemnité. Un document qui a été transmis à la justice française et répertorie 54 contrats d'assistants parlementaires pour un préjudice total estimé à 6,8 millions. D'autres ex-assistants parlementaires figurant toujours sur la liste des européennes sont visés dans cette procédure. Catherine Griset, en 10e position sur la liste, l'ami de longue date de Marine Le Pen et sa chef de cabinet. Je lis ce que dit BFM TV. La chef de cabinet de Marine Le Pen, Catherine Griset, a été mise en examen mercredi dans le cadre de l'enquête sur les soupçons d'emploi fictif qui pèsent sur le parti frontiste. Autre ex-assistante parlementaire, France Jamais, qui figure en 20e position. Je lis ce qui figure sur le site de Le Doc. D'après le Canard enchaîné du mercredi 8 mai, l'eurodéputée montpelliéraine France Jamais est citée dans le rapport de l'Office européen de lutte antifraude de 2016 sur les soupçons d'emploi fictif du Rassemblement national au Parlement européen. France Jamais, également conseillère régionale d'opposition, se retrouve à la 20e place sur la liste conduite par Jordan Bardella. Puis viennent trois députés européens depuis 2014 qui se représentent aux élections 2019 et qui sont visés par une procédure ou mis en examen. Dominique Bilde, qui figure en 4e position sur la liste des candidats actuels du Front National pour 2019, est visé par la procédure sur l'emploi fictif d'assistant parlementaire. Je lis à propos de Nicolas Crochet dans l'Est républicain. Si Dominique Bilde assure ne pas l'employer, le Parlement indique sur son site qu'il est bel et bien son collaborateur au titre du tiers payant, c'est-à-dire qu'il est partagé avec d'autres députés. Nicolas Bay, député européen depuis 2014, figure en 7e position, lui est mis en examen toujours à propos de l'emploi fictif d'assistant parlementaire. Je lis le Figaro. Nicolas Bay, député européen et secrétaire général du Rassemblement national, a été mis en examen le 8 juin pour abus de confiance dans l'affaire des emplois présumés fictifs des assistants parlementaires européens. Le troisième député mis en cause, Jean-François Jalques, lui, il est pour d'autres faits délictueux. Il est en 13e position et il a été mis en examen en 2015. Je lis Les Échos. Nouvelle mise en examen dans le dossier du financement de campagne électorale du Front National. Elle concerne Jean-François Jalques. Le député européen a été mis en examen pour escroquerie, abus de confiance et acceptation par un parti politique d'un financement provenant d'une personne morale. Ces délits sont susceptibles d'avoir été commis lors des législatives de 2012. Parlons à présent de ces trois candidats qui ont maille à partir avec des institutions publiques ou avec la justice.
Commençons d'abord par Aurélia Beigneux, adjointe à la mairie d'Hénin-Beaumont. Tout simplement soupçonnée de fraude au RSA. Elle a oublié de déclarer ses indemnités d'élu de 700 euros par mois alors qu'elle y est contrainte pour toucher le RSA. Elle a aussi, toujours selon la Voix du Nord, elle a aussi indiqué une fausse adresse et une situation maritale erronée. Le contentieux est toujours en cours. Elle est 14e sur la liste des candidats. Autre candidat en délit qui a été en délicatesse, Éric Minardi, a été condamné par le Conseil constitutionnel à 3 ans d'inéligibilité parce qu'en 2012, il n'avait pas déposé ses comptes de campagne. Que cachait-il ? Nul ne le sait. Je lis l'article 1er de l'arrêt du Conseil constitutionnel. Monsieur Éric Minardi est déclaré inéligible en application de l'article LO136.1 du Code électoral pour une durée de 3 ans à compter de la présente décision. Je précise, il est 25e sur la liste actuelle du RN. Enfin, 26e sur cette même liste, Patricia Chagnon, qui elle a été condamnée en 2018 pour harcèlement moral. Je lis le courrier Picard. Le 5 juillet 2018, Patricia Chagnon, conseillère municipale à Ville et régionale à Lille, était condamnée à 10 000 euros d'amende, dont 8 000 avec sursis, pour harcèlement moral à l'encontre d'une de ses directrices. La peine était assortie de 2 ans d'inéligibilité, suspendue dès lors que Madame Chagnon avait fait appel du jugement. Donc cela fait 9 candidats sur cette liste en difficulté avec la justice. Pour terminer, prenons le cas de Marine Le Pen, qui elle est pour le moment poursuivie pour détournement de fonds publics, un délit passible de 10 ans d'emprisonnement. Alors, pour laisser la justice faire son travail, ne donnons pas nos voix à cette liste qui comporte des candidats qui n'ont peut-être qu'un seul but, échapper à la justice. Et pour conclure, je prendrai le titre du Canard enchaîné du 8 mai dernier, la liste européenne du RN met les casseroles en batterie. Et maintenant, je vais aborder le deuxième thème, récurrent dans toutes les campagnes électorales, l'immigration, les migrants. On nous répète à longueur d'antenne de radio qu'il y a trop de migrants qui viennent. On ne désigne pas les véritables prédateurs étrangers de notre économie. Ce ne sont pas les migrants qui traversent et meurent en Méditerranée. Ce sont ceux à qui on déroule le tapis rouge, à qui on promet la case du code du travail pour qu'ils viennent soi-disant investir. Mais non, ils n'investissent pas. Ils rachètent les entreprises, les pillent, les détruisent et les ferment. Je vous ai déjà donné l'exemple de General Electric dans une précédente vidéo qui a racheté la branche Alstom de Grenoble et qui au bout de 2 ans a détruit 400 emplois et détourné tous les brevets. Je vous ai aussi parlé du fonds chinois qui a racheté l'aéroport de Toulouse et qui a fait la culbute financière en 2 ans de temps. Dans une autre vidéo, j'avais décrit le phénomène Giampiero Colla, ce prédateur italien qui en est à sa 5e entreprise après en avoir fermé 4 et s'être largement servi financièrement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un fonds allemand, européen, Aurelius, créé en 2007 et qui a en 2006 et qui a débarqué en France en 2007 avec une première victime, quelle ? Regardez bien la tête de ces personnages, ces étrangers qui viennent piller notre pays. Si vous les rencontrez à la frontière, faites-les repartir dans l'autre sens. Ils ont déjà pillé plusieurs entreprises. Je vais commencer par la première. Quelle entreprise par correspondance qui a été rachetée en 2007 par le groupe Aurelius. Je lis ce que dit le Parisien du 1er juin 2012. Dans son jugement, le tribunal a estimé que la société Aurelius AG avait commis de multiples fautes au détriment de la société Quelle la source et de ses 2 filiales. Le fonds allemand avait racheté la société pour 1 euro symbolique en 2007 et s'était engagé à la restructurer et à apporter des capitaux. 2 ans plus tard, la société basée à Saran dans le Loiret avait été placée en redressement judiciaire, entraînant la suppression de 170 emplois sur 600.
Les anciens salariés Estine Corillus et sa filiale EDS Group ont pillé les principaux actifs de Kell sans jamais investir les quelques 12 millions d'euros initialement promis. L'assèchement, c'est le tribunal, entre guillemets, l'assèchement de la trésorerie du fait de sa durée a contribué directement à maintenir la société Kell La Source et ses deux filiales dans une situation financière chaotique conduisant au dépôt de bilan et au licenciement de 170 demandeurs. L'assèchement de la trésorerie, en langage clair, c'est des prélèvements de trésorerie au profit du groupe Aurelius. Condamné par la justice, Aurelius aurait dû être expulsé et ne plus jamais revenir sur le territoire. Que nenni, il continue tranquillement son pillage avec la société Isochem. Isochem était une entreprise pharmaceutique créée en 1974, mais rachetée pour son plus grand malheur en 2010 par Aurelius. Et la suite, je vous lis un article paru dans l'Humanité en 2017. Aurelius a racheté à l'État français, il y a 7 ans, la société de chimie Isochem pour 8 millions d'euros. Une belle affaire, puisqu'en 2014, Aurelius réussissait à vendre pour 32 millions d'euros une filiale hongroise du groupe Framochem. Seuls 8 millions d'euros sont revenus dans les comptes d'Isochem. Si on fait sur 32 moins 8, ça fait 24, sont mis 24 millions d'euros dans la poche. Grâce à une réduction du capital, pas assez pour remettre l'entreprise à flot, moderniser son matériel, développer sa recherche. Nous voilà, 3 ans plus tard, au tribunal de commerce d'Evry, qui a ouvert mardi la procédure de mise en redressement judiciaire de la société créée en 1974. Et c'est pas fini! Prisp est une petite imprimerie, rachetée en 2016 par Aurelius, qui n'aura pas attendu 2 ans pour la mettre en règlement judiciaire en 2018. Et regardez la déclaration du représentant du personnel. Depuis qu'ils nous ont achetés, ils nous ont laissé couler. Venons-en maintenant à la 4e victime en cours de pillage. Et c'est pas la moindre, c'est Office Dépôt, un marchand de papeterie en gros et en détail qui compte pas moins de 1871 salariés et qui a été racheté en janvier 2017 pour l'euro symbolique par Aurelius. Il n'aura pas fallu attendre 2 ans pour que les représentants du personnel se rendent compte du pillage effectué par Aurelius et déposent plainte pour abus de biens sociaux. Un article du Canard Enchaîné paru le 8 mai dernier cite l'ensemble des prélèvements effectués par Aurelius. On y voit des émoluments fastueux pour la direction. On y voit aussi des frais de gestion, les management fees de 20 à 30 millions d'euros annuels et qui vont dans une filiale d'Aurelius à l'étranger. On y voit aussi un loyer annuel de 3 millions 100 et on y voit aussi la perspective de vendre ou de fermer 9 magasins. Alors, très surprenant, c'est la déclaration du sénateur socialiste à l'annonce de ce nom, Aurelius, on a compris qu'Office Dépôt risquait la liquidation. Ce sont des prédateurs qui ont déjà fait beaucoup de mal et en plus, ils ont touché 3 millions de l'État au titre du CICE. Mais monsieur le sénateur, qui a voté le CICE et qui n'a pas voté des lois pour empêcher ces vautours de venir piller nos entreprises? Ce sont bien les socialistes de la période 2012-2017. Pour terminer, je poserai une question à Madame Le Pen et à Monsieur Macron. Qui sont les étrangers à faire partir de notre pays? Et Monsieur Macron, comment ignorez-vous que ceux que vous appelez investisseurs sont au contraire des destructeurs d'économie?